La Ravane de Danila est un texte écrit par Amanat Hosseini. Okay. Il y a la version, enfin, il a écrit lui en français. Ensuite, Danila Bastien a traduit le texte en créole mauricien. Donc oui, c'est l'histoire d'une petite fille qui est enfermée entre quatre murs. Donc elle doit rester chez elle. Et c'est la fille d'un père autoritaire. Et son plus grand souhait, c'est de pouvoir apprendre à jouer de la ravane. Mais justement, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce spectacle? Ben, c'est le côté où je me retrouve dans le texte, en fait, parce que, après avoir lu le texte, j'ai revu un peu les filles de ma génération, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et je pense que c'est un peu, toujours un peu comme ça, où des gens nous empêchaient de parler le créole à l'école. C'est un peu ça l'histoire de Danila. C'est pas qu'on empêche de parler le créole, mais c'est qu'on empêche de jouer de la ravane, qui est, si on veut, un dérivé de tout ça. Et je me retrouve dans ce texte-là, parce que pour moi, bon, aller parler le créole, c'était quelque chose. Maintenant, aller jouer de la ravane, je me retrouve dans ce texte. Bien que mon papa était un ravanier. Mais déjà, si à l'école, on nous empêchait de parler le créole, pourquoi aller nous apprendre à jouer de la ravane s'il y avait cours de flûte à l'école? La comédie musicale boucle tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire, il y a de la musique dedans, il y a de l'écriture dedans. Il y a du théâtre, il y a ce jeu de scène-là. Et je pouvais explorer et exploiter tout ça en même temps, en fait. Et quels sont vos futurs projets? Une comédie musicale, justement. Ah non, pas une, mais deux et demi. Donc il y a le spectacle Danila, la Ravane de Danila. Le milieu de 2020, il y aura la comédie musicale de Peter Boff qui arrive, que j'ai travaillé. Avec Philippe, Sébastien et Achiche. Et Tigane qui revient en fin d'année. C'est une nouvelle production avec une nouvelle équipe. Et j'espère toujours dans ce beau théâtre. Et certaines personnes ont lu Tigane. Mais le fait de lire Tigane et de voir Tigane sur scène, c'est deux mondes différents, c'est deux claques différentes.